Finalement, nèg yo fin touye Jovenel Moïse, yo ta pressé l'aide 8 mois après assassinat là pour pas avoir juge d'instruction qui prend dossier. Nan moment n'a parlé à la information qui rive joine nous, c'est que gen un nouveau juge d'instruction que doit un tribunal première instance Maître Bernard Saint-Ville, li finalement décidé mettre sous dossier Jovenel Moïse. Eh bien juge ça li rele Merlin Belabre et c'est lui-même qui a gagné pour traiter dossier assassinat Jovenel Moïse. Mais tout, quelle autre information qui est extrêmement importante pour nous connaître. Nèg yo fin touye Jovenel Moïse, youn, yo empêché déroulement instruction dossier c'est deux, mais tout gagné des médias traditionnels, m'a parlé de radio là qui gagne spot côté que a demandé justice pour Jovenel Moïse, nèg sa a subi gros pression. Pour qui ça, pour yon ka campé spot ça, parce que oligak yo, nèg ki gen l'argent, yo nèg ki participe nan assassinat Jovenel Moïse, yo parle tande cause justice pour Jovenel Moïse. Eh bien, nous avons cause pour nous parler là, nous avons paquet d'informations nous pote pour vous, rete là, pas bouger. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel. Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ha, bois marée ou là? Bois marée, c'est moi qui parle de nos causes. Eh bien, finalement, nèg yo fin assassiner Jovenel Moïse, yo wè yo fait toute stratégie, toute manœuvre là pour yo bloquer dossier au niveau national, yo wè population rete focus, yo wè média rete focus, yo wè Jovenel Moïse rete focus. Eh bien, faut gon juge sur dossier, c'est pas vrai? Eh bien, information qui rive joindre nous, j'aime te dire nous là, gagner doyen tribunal premier instance Maître Bernard Saint-Ville qui finalement décidé désigner un nouveau juge d'instruction sous dossier. Eh bien, Merlin Belabre, qui c'est un juge d'instruction dans tribunal premier instance, li passé de présentation. On va comprendre n'a pas encore li comme juge d'instruction, il y a plusieurs dossiers sensibles li traité déjà. Li traite un premier dossier qui fait scandale en dedans pays. C'est dossier kidnapping qui impliquait Gracia Delva. Nous pas oublier dossier ça non. Le Arnel Joseph t'a dit que il t'a travaillé pour Gracia Delva et que le ça juge Merlin Belabre qui était pour une très bonne décision et qui décision il était prend, il était pour ordonnance côté que il était mandé grand corps, il était mandé sénat pour lever immunité grâce à Delva, parce que c'est lui qui a perçu le dossier, c'est lui qui a une responsabilité chercher indice, chercher des éléments de preuve, chercher toute information pour qu'a inculpé Mounio finalement. Eh bien, grand quoi a fait contre dilatoire et le ça n'a pas songé grâce à Delva, il t'a gagné un rôle question dans le Sénat, qui ça a été fait, il t'a dou, il démissionné. Grâce à te démissionner de responsabilité de gagner comme questeur, on l'y mettait là à la disposition de la justice. Alors que, attente, juge d'instruction, attente population, c'était ouais, grand colon, yo fait une assemblée, côté que yo pral le statut, est-ce que oui, a retiré immunité, a pleuvé immunité grâce à Delva ou bien non, pas pleuvé immunité, a pas de jambes fell. Yo pas de jambes fell, et m'bral explique aux raisons qui fait, yo pas de fell, et raisons qui font pas de jambes je n'en bagay kon sa passe en dans le Sénat. Parce que nous gon paquet de sénateurs, nous gon paquet de députés, paquet de parlementaires, son paquet nèg, je dis là, qui fait parlement tourner repère bandit. Vous comprenez? Qui fait sénat tourner petit cachette, tu côté plus à le cacher. Ou yo impliqué dans kidnapping, yo sénateur, yo député, yo impliqué dans trafic de drogue. Yo parlementaire, yo impliqué dans trafic d'âme, yo parlementaire, yo dans corruption, yo parlementaire. Donc, yo fait sénat tourner, on repère pour le cacher, malgré yo dans tout zak, malgré yo impliqué dans tout vieux dossier, mais on pas jamais joindre une assemblée qui pral et qui pral réunir pour nous yo pral statuer pour lever immunité tel député, pour lever immunité tel sénateur. Bagay ça li pas jamais fait. Et à plusieurs reprises dans l'histoire parlementaire en Haïti. Dans l'histoire parlementaire en Haïti, tu as un député Nzouna et un Belange qui te lui-même participé dans un dossier, tout le monde, etc. Il a demandé pour lever l'immunité.
côté immunité des jambes levées. Comme si, nèg yo pas jambes jouer dans bagaille comme ça parce que notre tête yo c'est son préséance la pied. On comprend? Notre tête yo son préséance la pied. Une fois que yo fait pour youn, la justice a toujours une tendance depuis nèg là impliqué dans un dossier mandé lever immunité puis aller répondre question devant la justice etc. Yo pas fait. Donc, le ça yo pas levé immunité grâce à Delva toujours sénateur jusqu'à ce que nous devine ouais et Anel Joseph li sauvé dans prison quoi des bouquets jusqu'à ce que Anel Joseph mouri pas jamais rien en fait et comme si dossier grâce à Delva li classé sans suite. La démarche juge instruction c'est une très bonne démarche. Après ça juge instruction ça c'est lui-même qui t'a instruit dossier sous général. Il était sous dossier sous général. Dossier qui était opposé et Dimitri Vorbio, la famille Vorb avec l'État haïtien. Eh bien, qui ça t'est arrivé? Eh bien, ou vin jouen ULCC qui était en face au général, ou te jouen juge instruction, mais là, lui-même, li te décidé, li pour ordonnance, côté que li ba ULCC en commission rogatoire, ça veut dire, li gagne, la gagne possibilité pour aller fouiller, pour aller faire des dessins sur les lieux, pour aller, quand il s'est acheté toute information, le besoin de ça qui gagne pour avec dossier sojourner, là. T'es gagné, à l'époque, t'es gagné, commissaire du gouvernement, par rapport au prince, qui t'est fâché. Qui te ouais ça très de très mauvais œil que juge instruction que le décide bail et ULCC en commission rogatoire bah ça te font paquet de parler en pile et là ça tout juge qui te dans tribunal première instance pour Port-au-Prince yo tout yo te mandé pour yo retirer pour yo déporter juge instruction le dossier parce que yo te estimé que jugeon il te prend des décisions arbitraires il te prend des décisions illégales mais jusqu'à date yo pas attente yo pas comblé parce que au final juge était toujours été sous dossier jusqu'à ce que nous ouais et tout récemment là yo retiré toute mesure qui te prend sous nèg ce général sous nèg Vorbio pas gain mesure pas gain saisie encore tout le monde libre la justice classe tout bagaille et puis tout le monde continue ça te voler l'argent ça te voler l'argent courant l'argent contre etc. et puis la vie continue c'est comme ça li en Haïti. Maintenant, question à poser nous par rapport avec désignation Merlan Belab sous dossier assassinat Jovenel Moïse, le nous connaît différents antécédents qui gagnent déjà, est-ce que c'est un bon choix? Parce que doute yo jodi an la sou ki est yo pesé. Principal doute là pas pesé sous juge instruction parce que juge instruction lui-même son juge instruction lié Wally c'est instruit dossier. Chercher information, chercher indice, enquêter et auditionner moun, voye mandat comparution, etc. Mandat d'amener et mettre des mandats. Principal moun jodi an la, tout doute yo doit peser sous lui, c'est doyen tribunal là. Pour qui ça? Parce que c'est doyen tribunal là cap administrer dossier là et cap administrer tribunal là. C'est lui qui connaît qui juge instruction qu'a mettre sous dossier, c'est lui connaît qui ça qui anime le comme raison, comme motif, qui fait le choisi X au lieu de Y, qui fait le choisi Y au lieu de Z, etc. Donc, motivation première, là, c'est doyen gueule. Et n'a pas songé. C'est doyen qui te choisi Gary Aurélien. Gary Aurélien, lui fait toute malversation ça yo. Gen toute accusation de corruption ça yo qui pesait sous lui. Jusqu'à date, ou pas joindre CSPJ qui tranche, ou pas joindre CSPJ qui sorti et qui prend aucune décision jusqu'à ce que Gary Aurélien la gueule dans maon. Ça, son point. Maintenant, si gagne des soupçons de corruption qui pesaient sous doyen tribunal, là, M. Bernard Saint-Ville, li évident que le c'est Jovenel Issio, que le c'est parti civil, là, m'a parlé de, non seulement de, comme commissaire du gouvernement, mais également de famille, et de famille présidentielle, là, Timoun président, madame président, etc. Yo pas commandé pour yo retirer doyen tribunal, là. Pour qui ça? Parce que doyen tribunal, là, même j'ai tout juste, j'ai un mandat. Ok, maintenant si y a des soupçons de corruption estimé que et doyen même genre avec ancien juge d'instruction Gary Aurélien qui était sous dossier il a pris l'argent etc il a fait malversation avec dossier assassinat Jovenel Moïse son moyen de corruption son moyen pour négocier l'argent qui ça qu'a fait maintenant Jean RNDDH t'es rapide vite il te fait rapport et sous Léon Chol il te fait rapport sous et Dimitri Rol il fait rapport sous Gary Aurélien etc jodi faut RNDDH tout faut qu'il assume responsabilité
Bernard, si vous avez peuple information, bah information sur tout le monde, chercher information et sur Bernard Saint-Ville, bah yo même j'en fais pour tout le monde. Le ça, population connaît côté pour yo camper et même j'en te mandé à ce que gon enquête qui ouvre sur Gary Aurélien, même Jean Olidamus, li pote plainte contre Gary Aurélien, li pote plainte contre greffier Élisée Kader, c'est de même je dis là, faut gon enquête qui ouvre sous doyen. Parce que c'est seulement CSPJ qui a révoqué moun pour faute grave. C'est seulement CSPJ qui a mandé, qui a prononcé révocation au juge. Vous comprenez? Et nous-mêmes, nous pas qu'on décide pour nous dire, ah, juge pas bon, avocat décide que juge faut qu'il y ait révoqué. Non, parce que juge, il y a un mandat fixe, s'il l'a pour 5 ans, s'il l'a pour 6 ans, s'il l'a pour 7 ans, c'est le mandat fini, sauf s'il font faute grave, le ça, il a prévoqué, il a retiré l'administration judiciaire, son bagage comme ça lié. Donc, maintenant, où est toute information qui pourra aller d'eau comprendre à l'avenir, est-ce que choix, il a fait de Merlin Bilabla, est-ce que son bon choix, est-ce que son choix qui capote et fuit, est-ce que si vraiment, yo désigné le Seyoun, si vraiment qu'on y a accepté le dossier Jovenel Moïse, est-ce que le cabay résultat, est-ce que le pral pose des actes d'instruction, est-ce que le pape peur les Matéli, est-ce que le pape peur les Kiko, est-ce que le pape peur les différents leurs personnalités jodi en la clameur publique à dénoncer, est-ce que le pape peut inviter Pierre Espérance? Vous comprenez? Parce que jodi en faut que nous positionner nous. 8 mois, on va prendre 8 mois assassinat en président, comme si nous pas qu'à quitter bagaille ça passé inaperçu, nous pas qu'à quitter le passé dans le vide, ou bien, pour nous même genre, ouais, nèg yo a fait là, tout intérêt nèg yo, c'est pour yo prendre dossier Jovenel Moïse, pour yo passer dans l'oubli, pour nous même tout, pour nous accepter en pareille cause, ou pour nous accepter en pareille situation, parce que cause nèg yo, par rapport avec dossier Jovenel Moïse, yo, même pour yo, yo ron cause qui juste, parce que cacher la vérité, pour nèg yo, pour criminel yo, pour gang yo, cause yo a juste, paye moun pou faire des informations cause yo juste pour yo paye moun pou faire diffamation pou faire détournement d'information cause yo juste pour yo paye un juge paye un doyen paye un commissaire du gouvernement cause yo juste pour yo parce que yo gon groupe à protéger yo gon clan à protéger maintenant jodi an moi même ou même nous même comme haïtien qui voulait la vérité, qui a cherché la vérité ou bien qui exigeait à ce que la justice se travaille comme ça doit, cause nous en juste, cause nous en juste, parce que faut nous dénoncer négio, cause nous en juste, parce que jodi an la, qui te assassiné Jovenel Moïse, passe comme une lettre à la poste, c'est ouvrir porte pour l'autre sicarios, pour l'autre mercenaire, pour l'autre assassin criminel, sur côté ouvre, dans n'importe pays ouvre, pour négio. Aux États-Unis, pour nèg dans Canada décider faire ça yo vle avec Haïti avec Haïtien. Donc, jodi an faut nous parler, jodi an faut nous dénoncer, jodi an faut nous sonner à l'homme nan pour nous dire ah, halte là, nous pas ka continuer comme ça, nous pas ka accepter même dérives à l'ordre de l'institution l'État. Est-ce que nous comprenons continuer? Jodi an l'entendre des séries de patrons de médias ou bien l'entendre des séries et de employés de médias. Des séries de médias bien et qui puissant dans le pays. Hein? Des séries de médias, pas même imaginer une seconde parce que nèg sa yo c'est gros voix et gros jouer, il y a fait propagande pour gouvernement. Et pourtant, il y a pris petit tap. Et pourtant, il y a sanctionné parce que gros paquet nèg. Imaginez nèg la participer dans tous les Jovenel Moïse, li compte tout dossier de la tête aux pieds. Et puis, li c'est pas non. Et puis le temps de la radio, son spot qui a poulé, justice pour Jovenel Moïse. C'est vrai, Jovenel Moïse a payé pour spot la passé. C'est vrai, il a payé pour spot la roulé. Mais l'a dérangé, grand patron, l'a dérangé, bossou. Donc, c'est une situation, ça a nouillé là, en dedans pays, avec deux Jovenel Moïse. L'ordre de nègre, il a venu ouvrir gauche, il a venu proposer, il a pas occupé, il a gagné patron. Yo vle fò comprendre, yo c'est pas ton tête, alors que yo gen boss. Et boss sans pas accepter que dossier Jovenel Moïse empêche le dormir. Non. Li pas accepter pour le tendre dans radio, la sponsoriser, dans micro, la paye, pour le tendre son dossier, justice pour Jovenel Moïse, alors que yo vle silence sans fait. Alors que yo exige que silence fait tout dossier. Est-ce que nous comprenons? Nous, et contradiction, faut que nous là pour nous comprendre réalité ça. Maintenant, hier, gagné un scandale qui éclatait dans la République, qui dossier enlèvement.
Nous n'avons pas dit kidnapping, nous dit enlèvement. Enlèvement, PDG Radio Caraïbes. Ça fait un paquet de tollé, un paquet de palais en pile. Et chaque monde a une compréhension, chaque monde comprend li en façon. Et, je dis pour que ça ne parle pas de kidnapping, je parle de enlèvement. Parce que, non seulement le code pénal, il décrit qui ça. Bon, il n'est pas décrit de manière explicite pour le dos, mais qui ça qu'on kidnapping pour le bas en définition de kidnapping. Non. Mais, à travers peine yo prononcé yo bon ensemble d'éléments d'information yo ba ou des éléments matériels là dedans pour nous on kidnapping c'est le gagner non seulement enlèvement gagner séquestration et puis gagner demande de rançon. Donc pour nous parler de kidnapping fort gagner enlèvement yo privé de liberté yo prend gagner séquestration yo ferme en côté yo mettre en côté et puis gagner demande de rançon gagner l'argent qui mettait. Maintenant cas dans situation et pratiquement si un clan li même ça son enlèvement yo prend li et puis quelques temps après yo pral libérer si yo te prend après yo te mande rançon etc etc le ça n'a parlé de kidnapping bon et ça c'est pour aider comprendre terme yo aider comprendre et mot yo pour ne pas dire n'importe bagarre n'importe qui genre maintenant question nous doit comprendre nous non pays côté que criminalité en li en vogue. Nous, dans le pays, c'est gang qui a fait la loi, c'est bandit qui a terrorisé le monde. Nous, dans le pays, côté que criminalité, on vit dans criminalité d'État. Crime d'État, point boule. Pour qui ça me parle de crime d'État, parce que, ou bien, premier citoyen pays, qui est-ce qui a dit, nous avons un président, c'est Ariel qui a coupé raché. Et le premier citoyen pays, il est premier ministre, de facto ou pas, c'est le premier ministre. Il participe, il gagne non. Dans le dossier assassinat en président. Ça, c'est le premier réflexe. Deuxième bagage, vous devez comprendre, je dis. Par rapport à la situation et sécurité, ça, qui n'est pas daté de hier, ce n'est pas hier, nous levons, nous joignons. Vous pouvez comprendre. Tout récemment, là, on parole matériel, vous avez acheté pour aider à combattre la sécurité, pour aider à contrôler le kidnapping. Et à l'époque, Jovenel Moïse était sous pouvoir toujours. Jovenel Moïse était président. Qui est-ce qui était premier ministre Jovenel Moïse? C'était Joseph Jouta. Malgré nous qu'on voit toute diversion, Jouta fait l'abdou, la tape ISO, la privé sous ISO, etc., etc. Tout bagay ça, finalement, on va le comprendre, c'est bluff, on va le comprendre, c'est manigette. L'État haïtien décidé pour acheter des séries de matériel pour contrôler kidnapping. Nan. Pour yon monton cellule contre kidnapping, nan, pour yon ka kontrole appel ka fait, pour yon ka kontrole nan ki rayon kidnapping nan fait, nan ki rayon appel yon fait, etc. Ou pral finalement jouen, trois moun implike nan koze matériel sa, ou appareil sa, ou ta pralé de combat kidnapping, nan, ou jouen premier ministre Joseph Jout implike la dan, ou jouen à l'époque, mini justice Luc Mandelil ou joine également Jean Rebel d'Orsena CNDDR. Qui s'acrive? CNDDR lui-même nous connaît te gen responsabilité et c'est commission nationale désarmement réinsertion démantèlement etc. Et même CNDDR ça qui rive fédérer jeunes familles alliées. Ça nous connaît déjà, m'a besoin de dire. Maintenant CNDDR avec Jean Rebel d'Orsena ont été une bataille yo t'a mené pour arriver à contrôler kidnapping. Parce que à l'époque, kidnapping, il était en vogue, il était plus en vogue dans le village de Dieu. Il était plus en vogue dans le périmètre du village de Dieu, dans l'ère métropolitaine. Nan. Pour qu'on ait 400 maros qui ont frappé, qui kif comme ça. Quand il y a leur joute, le Luc Mandel, il avec Jean-Rebel d'Orsena, prend connaissance des matériels qu'il a acheté, etc., pour aider à combattre kidnapping. Nan. Joute fait comprendre que matériel, ça, ok. Matériel là, la va acheter avec l'argent qui sorti dans poche. Premier erreur. Premier erreur, puisque vous êtes premier ministre, la primature gon budget, matériel pour combattre l'insécurité dans le pays, pour combattre l'insécurité pour la population haïtienne, ou dire vous va acheter matériel là avec l'argent dans poche. À quel fin? À quel fin? Vous comprenez? Ça, c'est premier, ça est première faute grave. PM n'a fait. Et puis, matériel acheté, kidnapping fait carré continue. Matériel acheté, matériel pas jamais installé. C'est rete, yo rete, yo voye Luc Mandelil lale. Yo voye Luc Mandelil lale. Et à l'époque, moi-même, quand dit Luc Mandelil, c'est yon nan ministre de la justice qui passe en bazar.
qui au moins te montre la bonne volonté pour combattre l'insécurité, pour prendre des décisions de rigueur contre Nexayo, contre bandit notre Osayo. Nous songeons le Luc Mandelil te mette séparateur. Mette séparateur et sous route matissant, et comme si ça son stratégie pour contenir Nexayo. Et comme si li mette périmètre là Nexayo pas qu'à traverser périmètre là, chablende, gen toute stratégie la police en déployer pour contrôler entre village de Dieu. Et c'est le ça. Et c'est le ça. Nous te joignons Pierre Espérance RNDDH te dit, oh, Jovenel Moïse, pral font massacre village de Dieu. Nous songe. Faut que nous pas oublier, non? En pile fois, même Nexayo encore, yo tellement gen relation, yo tellement connaît si pays ça gen stabilité, si pays ça gen sécurité, yo pas jamais parler de yo. Yo pas jamais besoin parce que yo existe parce que yo créé insécurité, yo existe parce que yo créé situation pour toujours parler de yo, pour yo toujours faire parler de yo. Donc si pays si Haïti qu'on ont tiré pi, yo pas exister encore. Le ça et Pierre Espérance dou, yo pral faire massacre etc. Li pas possible, li pas bagay. Et puis qui s'écrivait quelques temps après, yo voyé, yo révoqué Luc Mandelil et puis yo levé séparateur. Village de Dieu, kidnapping nan repran. Ou tout tande, pa gen matériel encore, et le jout ale, jout tout prati matériel ki pou te combat kidnapping nan. Li pran matériel li, li a lavel, li bourrel nan mouda machine la lavel. Jodi an fok jout ta répond question. Fok ta gen des autorités, le révélation sa yo fait, fok ta gen des autorités gvinik pou di, ah, jout. Fok on commissaire du gouvernement ta la pou di, ah, ancien PM, on sa passé bon cause matériel pour insécurité qui a parlé là. Faut ba nous quelques explications. Vini ba nous quelques explications. Comprenez? Nous pas jouer bagay sa yo parce que nous pas gagner des autorités judiciaires en dedans pays. Son paquet soufflant tout nous gagne. Insécurité pour l'insécurité pas concerné. On a posé des questions. À quel fin joute prend matériel ça ou la lavelle? Est-ce que c'est sous prétexte? Comme quoi, nèg la pral dou, c'est l'argent qui te achète qui fait la lavelle? Ou bien, c'est parce que yon bon réseau yon voulait contrôler de l'intérieur? Est-ce que jodi an la, appareil sa yo, yo a servi pour contrôler réseau kidnapping de l'intérieur? C'est tout intérêt nous gagner pour nous poser question. Parce que si nèg yo kite des ouvertures pour nous poser question, faut que nous poser question en tant qu'haïtien qui vivent dans pays nous. C'est tout droit nous parce que phénomène insécurité ça, li touche chaque grain haïtien que à l'extérieur, que dans diaspora jodi an, c'est sûr que matin, midi, soir, chaque coup de téléphone nous sonne mon Haïti qui relo. Oh, tout ventou bouilli. Tout ça manger pour journée, li bouilli ventou. Parce que pas contre qui mauvais nouvelle ou pral recevoir en Haïti. Parce que insécurité elle frappe tout le monde. Li frappe tout le monde. Jodi an la, nous pral wè que nèg yo pas gen aucune volonté. Yo pas gen aucune volonté pour yo aider Jovenel Moïse combattre insécurité, pour yo aider Jovenel Moïse mettre stabilité en dedans pays. Alors que nous comme ça triste. Ou bon président Constitution fait l'obligation, il y a devoir pour lever à la bonne marche des institutions de l'État. Avait dit que c'est pouvoir exécutif, que c'est pouvoir législatif, que c'est pouvoir judiciaire, c'est responsabilité président pour lever que tout et tout pouvoir ça, toute institution qui composait l'État, tout bagarre bien marché. Mais ça pas veut dire pour président interférer, non? Dans décision qu'a prend, c'est pas ça. Ça veut dire que le président fait choix moun qui capable moun de confiance qui ka aider mener politique gouvernementale li. On dirait que Jovenel Moïse c'est val pal te choisi net avec. Ou pour on joute, jodi an la mais qui résultat. Pendant que jout te fait population comprendre, oh moi même tout moun ka relè m parler à tout moun si ils auraient les m'a parlé etc. Oh ils yo fait CSPN matin midi soir. Izo m'a privé sou, si la pli m'a privé sou, faut qu'on rentre matisse. Yo vann peuple en vision, yo vann nou idil on rêve qui pas existait, comme quoi yo pral rétablir sécurité. À chaque CSPN qui organisé, c'est comme si gon souffle de vie. Alors que c'est pas vrai du tout. Jodi an la, que l'on veut ou non, insécurité en son insécurité d'état. Et nèg sa yo qui passe dans gouvernement Jovenel Moïse, qui passe sous président Jovenel Moïse. Chaque premier ministre qui passe sous Jovenel Moïse, yo gen part de responsabilité yo nan crime organisé qui gen en dedans pays ça. Parce que son paquet mafia ou pas toi yo te gen bonne volonté pour collaborer avec Jovenel.
Qui pise aujourd'hui là si nous prenons Ariel Henry dernier en lice? Nous, ouais, résultat. Ouais, Ariel Henry, c'est comme si li bay adhésion. Li bay adhésion, yo met tout yé Jovenel Moïse, comme yo te choisi comme l'option premier ministre, li là, la continue. La continue satisfait intérêt anti-groupe nèg. À quel prix? À quel prix? Je connais à quel prix? Au prix de ta vie, au prix de ma vie, au prix de la stabilité du pays. Oui. Parce que yo trop que stabilité pays, yo trop que la vie chaque grain haïtien jodi an. On pral di, OK, yo prend décision, PNH prend décision, yo pas admettre policier kagoulé. Pour yo ka différencier et vrai policier avec policier qui utilise uniforme la police. Tout à l'heure. Mais la pile uniforme ça a gonflé dans le ministère de l'Intérieur. Pour y faire qui ça? Policier uniforme li blasé, ou pas changer le pouli, alors que paquet uniforme gonflé dans le ministère de l'Intérieur. C'est même autorité ça yo kap si maye uniforme. Uniforme gang yo gen, c'est pas faux uniforme la police yo, non? C'est pas uniforme yo a l'acheter toile sous paille pour yo baye fait pour yo, non? C'est uniforme qui immatriculé, qui écrit, qui gen yon numéro. C'est uniforme qui gagne et les hommes de la République là-dedans. C'est uniforme la police en même. C'est matériel la police en même. Parce que, ou pour un ministère de l'Intérieur, on mette là, qui pas prégné, oh merde. Qui ça y a géré pas qu'on est. Alors que, insécurité, c'est eux-mêmes qui t'a supposé qu'à contrôler. Sous pas qu'à contrôler, c'est parce qu'on participe là-dedans. Sous pas qu'à bailler résultat, c'est parce que, li nan profit ou li nan intérêt. Pas la simple. Pas gen secret nan fè kola. Tout bagay yo son formule liye. Ou ka bay résultat ou bay résultat. Ou pa ka bay résultat, mon cher la se bot ou ali. Parce que jodi an si nap gade bilan la, nan pwè nou gon société ki deba fini. En termes d'émotion, de point de vue psychologique, nou gon pep ki sombre dans la folie. Ou pour un paquet de jeunes. En plus, fois, nous, on a souri, on a pris, nous pensons que c'est stable, pas stable. Aujourd'hui, on a assisté avec un paquet de jeunes qui dépressif, qui a sombré dans la dépression. Et nous avons parlé ça matin, avec un collègue. Moi, c'est exactement la situation de dépression, ça, quelquefois, je me sens. Parce que, émotion, l'ochita, ou pas qu'à différencier émotion personnelle ou avec émotion collective là qui envahit ou pas gain l'autre choix pour non ou après tu vas sentir ou sombre ou après rentrer non tout après rentrer non fond et puis après sous pas grand monde qui pour dire Yannick réveille-toi ou toi aller oui ou toi aller. Donc jodi an li extrêmement important pour connait que combat contre kidnapping ça autorité ou gain droit de tremper là-dedans avant même nous viser. Nèg sa yo ki anbi a uniforme la police, nèg sa yo ki pote zam, démarcheur pour autorité. Yo même pense que c'est comme ça moi yo. Nèg sa yo ka fait kidnapping dans la rue, c'est démarcheur yo. Yo gen grand patron, yo gen boss. Maintenant faut chercher boss yo. Et hier dans l'émission hier, on songe me dit nous l'heure était pour Clifford Brandt dans kidnapping. Clifford Brandt te bayon li, c'était bay juge instruction. On lisse côté que li c'est 5e membre dans base Galil. Alors que l'ité indexé deux nègres qui fait partie de base bandit légal, nous connaissons qui basé en dedans pays, qui ont même, ils ont gagné rôle deuxième. Ils ont deuxième chef base Galil. Donc, on va essayer de comprendre. N'a pas ces mêmes nègres pouvoir, même alliés pouvoir, même nègres en yo, pas de opposition, pas la donne, non, pas de ça, non, t'as pris souple. Yo tout la donne, son poisson krasé nan bouillon. C'est nèg sa yo pour nous viser. C'est nèg sa yo pour nous attaquer avant tout, pour nous prendre souffle, pour nous gon répit avec sécurité. À bon entendeur, salut. Mais c'est nous même qui avons fait Bekate, Zesof Moringa pour tes solutions pour nous. Gains outils si on peut mal qui permettent d'allonger peine ou bal longue ou vle pour mon ouvle. Gen band, c'est un comprimé qui permet de gagner bon gens en endurance sexuelle. Wow! Pour plus d'informations, relevez dans 514-886-9766. Ou bien, visitez le site là, www.zesofmoringa.com. Depuis les maps utilisées pour mettre des outils à comprimer gen band, mesdames, c'est mariage seulement à demander. C'est l'heure du débat.
Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2h que chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, même voix. Oh yeah.